Bonsoir à tous et bienvenue ce soir. J'écoute juste, vite, si le ventre ne fait pas trop de bruit. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, sixième jour sur Assassin's Creed Odyssey. On continue la grande épopée grecque. Salut Ami, bienvenue à toi. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Le live n'a pas été super intéressant. Enfin, si, il a été intéressant du fait qu'on a dépanné un nouveau streamer qui est d'ailleurs avec nous ce soir. Mais je vais vous montrer ça. Ça a été plutôt bizarre. Mon nombre de vues de stream, alors qu'on n'a rien fait d'exceptionnel, a explosé. Voilà, il est là. Vous voyez là, le live, il a fait 51 vues. Je sais pas pourquoi. Tu disais quoi? J'avais eu un bug? Un bug sur quoi? Voilà. Du coup, le live hier soir, c'est le live le plus vu que j'ai jamais fait. Je sais pas pourquoi. Les vues ont doublé. D'habitude, vous voyez, j'ai 21, 23. On m'avait. Hop. Du coup, j'entendais plus. Ah, ok. Ouais, ça arrive des fois, le son est coupé et t'arrives pas à savoir pourquoi. Voilà. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien fait d'exceptionnel hier. On a plus fait des recherches pour essayer de faire des lives sur PS4. Mais pourtant, les gens, ils ont l'air d'avoir apprécié. Donc, merci à ceux qui ont regardé le live. La rediff, hein, ça fait quand même plaisir voir de finalement 59, 51 personnes qui l'ont regardé. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, c'est la première fois que je l'entends de vous. Et pourtant, on n'a rien fait. Tout à l'heure, j'ai live, j'ai gagné 2 follow. Ça va, t'as de la chance, ça monte vite. Moi, pour avoir 2 follow, il a fallu que je me fasse des comptes moi-même. C'est mon compte et celui de ma fille. Mais les 2 follow, c'est moi. Du coup, ce soir, on va continuer Odyssée. Army, comme on a réglé tous tes problèmes, on va pouvoir jouer ce soir, du coup. Voilà. Donc, hier soir, ouais, on a dépanné quelqu'un en live. C'était un peu à l'arrache. 2 follow par jour, moi, ça me va. Tu m'étonnes, moi, j'aimerais bien avoir 2 follow par jour. Ouais, du coup, Army, comme tu es là, tu n'es pas en live, et on va pouvoir jouer ce soir, du coup. Voilà, je vais pouvoir avancer tranquillement. Hein, on va y aller. Maintenant qu'on a résolu ton problème, je change juste un peu mon bureau. C'est un petit peu le bordel, désolé. Je suis vraiment à l'arrache ce soir, comme tous les dimanches d'ailleurs, comme presque tous les jours même. Hop, voilà, ranger tes commandes. Ok, j'ai pas de son. Hop, est-ce qu'il y a le son du jeu? Ok, il y a le son qui est partout. Tout le son marche partout. Ok, en plus, mon chat était incroyable. Elle fait, c'est super cool si les gens y participent, c'est bien. Moi, c'est tout ce que je demande, toi, que les gens qui passent, ils participent. Malheureusement, c'est pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Mon casque ne marche pas. Ah, ça veut dire qu'il y a un problème, de toute façon. Ah, ouais, malheureusement. Attends, bouge pas. Ouais, le dimanche, c'est 20h30, 21h, hein, je prends les délais. Hein. Comme toi, hein, tu étais en famille pour le match de foot, moi tous les dimanches, je suis en famille. Ok, du coup, là c'est bon, le son du jeu est revenu. Est-ce que j'ai le son du live? Ok, tout est bon. Ok, on va pouvoir y aller. J'espère de vous, c'était de l'autre côté, il est tout bon, normalement ça devrait être bon. Il fait une chaleur à crever ici, hein. Je sais pas pour vous, mais. Et après, on me dit à moi d'investir. Et t'es même pas capable d'acheter un casque fonctionnel. Non, alors je recommence. Mon casque est tout à fait fonctionnel, tu vois. Hein? Voilà, c'est un Razer Kaira Pro qui est en double connexion. Et le problème, c'est que comme j'étais au téléphone tout à l'heure, mon casque il s'est déconnecté. C'est tout. À partir de jeudi, je suis en vacances. Moi, il s'est couvert, c'est nuageux, mais il fait une chaleur crevée. T'es en vacances bientôt? Moi, je suis en vacances depuis 6 mois, je suis en vacances. Voilà, hein, on va pas en parler. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Hein.
Ok, on était où? Niveau des quêtes. On va tuer. On va aller tuer l'autre arnaqueur là. Il est où l'autre arnaqueur? Bah, c'est la vie, hein, ça y a des choses qui arrivent. Hein, malheureusement, c'est pas top, mais. Le roi aveugle. Mais non, on devait tuer. Ça, les chasses déesses. Elle est où? Ah, j'ai perdu là. Ah oui, mince. Oh là là. Oh. 21h, je dors de. Ouais, pas de soucis, Armie, tranquille. T'es là quasiment tous les soirs. Je vais pas pleurnicher parce qu'un soir, t'es pas là. Moi, je continue sur ma parce que je stream que le choix. Mais après, si tu fais plusieurs lives par jour, ouais, faut jouer sur plusieurs jeux. Après, c'est que mon avis personnel. Hein. Ok, du coup, là, je les ai. Le cavalier approche. C'est pas ça. Ah, elle est où cette mission? Faut tuer. Voilà, on va aller tuer le. J'ai live Resident Evil 1, Origin, Rocket League et 60 secondes. C'est quoi 60 secondes? Ah, c'est un jeu de bagnole, non? C'est ça? 60 secondes, c'est pas un jeu de bagnole? Je connais pas tous les jeux, hein, désolé. Hein. J'aime bien les jeux vidéo, mais je suis pas accro à ce point-là. Non, pas du tout. Ben, tu vois, 60 secondes, je connais pas, alors, pas du tout. Voilà, donc pour ceux qui arrivent sur le live, on est sur Assassin's Creed Odyssey. On débute hein, le sixième jour à raison de 2 heures par jour, 2 heures, 2 heures et demie. Hein. On joue tranquille, on essaie de nettoyer la carte tranquillement et faire les missions pépère. C'est un jeu qui doit survivre dans un bunker. Un narratif, je juste l'édition genre partie. Ah ok, c'est un peu comment il s'appelle l'autre jeu là? Tu joues dans un bunker, c'est pas Fallout Shelter, je sais pas si tu vois. T'as 2 heures de live à côté de moi. Et ton talent sur Twitch. On s'en fout tant que tu t'es fait plaisir, c'est important. Ouais, c'est 60 secondes, c'est un peu le genre de Fallout Shelter. Pas trop, mais c'est le même style. Ok, d'accord. Ouais, sauf que là, d'avoir le jeu en 2D, tu dois sûrement te déplacer toi-même en 3D, quoi. Je pensais que j'ai Fallout Shelter, je l'ai, et que ça fait waouh, longtemps que. Et où, là? Tu vois, faut venir tranquillement, tu vois, je m'attends pas. Bon, toi t'es là quasiment tous les soirs. Dès que je pourrais, je te rendrai visite sur tes lives, je t'en fais pas. Hein. Mais je m'attends pas à grand chose sur mes lives. Les gens ils viennent, tant mieux. Ils viennent pas, ben tant pis. Ça, faut pas plaire à tout le monde. Ben, si tu veux, il y a des trailers, le nom c'est 60 secondes. Riatomaison. Ouais, ben, j'irai jeter un coup d'œil après. Quand j'aurai fini, on va essayer de faire un live de jeu ce coup-ci pour changer. Hein? Ce serait bien qu'on fasse du jeu, parce qu'hier on n'a pas été très productif.
Et pourtant, il y a quelqu'un qui est passé, que je remercie d'ailleurs d'être venu, d'avoir discuté un peu. C'était Pierre, il est passé hier, il a fait un petit coucou, il a discuté, mais pas resté très longtemps, tant pis, hein, c'est comme ça. S'il y avait plus de gens qui passaient pour juste pour discuter après, hein, ça changerait. Comme ça, Armie, tu serais pas tout seul à discuter, toi. Allez, on synchronise la zone. Pierre Sayen. Il m'a dit qu'il me connaissait. Ben, non. Moi, c'était Pierre. Pierre Hugues, je crois que. Huguet ou Hugues. Je suis Huguet. C'était Pierre, quoi. Oh, peut-être qu'il connaît la chaîne, ouais, après. Ouais, je veux dire, il s'appelait Pierre Hugues, je crois. Pierre Hugues 87 ou 97, je sais plus. Oui, c'est vrai, mais non, Pierre Sayen, ça me dit rien. Après, s'il connaît, hein, il faut qu'il vienne voir. Hein. Bon, il est peut-être déjà passé et puis il a vu comme ça, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Le voilà qui se cache en pleine lumière. On va essayer de nettoyer le fort en même temps. Ok, bon, on va essayer de buter tout le monde, de nettoyer le fort et après on va se faire la saloperie d'El Pénor. Il vaut éviter de se faire voir. Ah oui, je l'avais même pas, tu vois, regarde, il y en a un autre qui est apparu là. Hop. Niveau 13. Alors, tu vois, ce que j'aime bien, moi, Armie, c'est la personne qui vient, même si elle te follow pas, mais elle vient, toi, elle discute. Si un mec m'avait dit nique ta mère, parce que j'avais changé de jeu, je l'ai banné 120 secondes, j'ai été gentil, après, la scène mort, je l'ai banné dev. Moi, j'ai eu un gars, il est venu, et il m'a dit salut ma pute. Bah écoute, si t'as... j'ai été poli tout le long, je suis resté soft tout le long. Et au final, il a sorti, ouais, genre, c'était un test pour voir comment t'allais réagir. Ouais, bah tu dois vraiment avoir une vie de merde pour dire des trucs comme ça, un mec qui fait un live. Et puis il s'est barré. Voilà. De toute façon, il y a des mecs qui se découvrent du courage derrière un écran. Hein. C'est comme ça. Il y a des cons partout, on fait avec, hein. Ça va, t'as été gentil, tu as mis 120 secondes, il est quand même revenu après. Non mais mec. Moi depuis que je suis sur Twitch, j'ai banni personne. Donc si t'as envie que je te bannisse, Armie, tu le dis tout de suite, hein, je te fais un petit ban. Non, après, moi, je m'en cogne. Le mec, bref, c'est... Déjà, je comprendrai jamais les gens qui viennent sur ton live pour faire une réflexion sur ton live. Déjà, ça, j'arrive pas à comprendre. Je l'ai pas vu.
Ouais, mais c'est pas une excuse d'avoir passé une mauvaise journée et puis de se défouler sur les autres. Il n'y a rien. J'ai dû rêver. C'est vrai. Le gars, après, c'est le genre de mec qui va te dire ouais, tu me respectes pas alors que c'est lui qui te respecte pas. Hop là, il fait me casser la gueule. Ouais, c'est lui qui perd du temps en plus, hein. Toi, t'es en train de faire ton live et lui, il perd son temps, alors. Un mercenaire. Putain, je vais tous les buter là, à force. Les raids, moi j'aime bien faire des raids. Parce que les gens ici attendent, c'est vraiment un truc, bah, comme on l'indique, c'est un raid. Hein. Donc les gens ici attendent pas. Ouais, tu peux faire ça aussi. En général, je raid quand j'ai fini parce que après, ouais, ça fait des lives qui sont très longs après. Ouais, j'ai un mec qui pleure. T'as pas aimé Rogue? Ah, c'est bien dommage, moi j'ai bien aimé Rogue. Ça permet de voir un truc différent des assassins. Après, il est pas long comme jeu, mais tu vois une autre facette des assassins. C'est ça que j'aime bien, moi. Ah, c'est le gameplay qui t'a pas plu. Pourtant, c'est le même que Black Flag. Hein. Après, c'est peut-être le truc avec le fusil qui t'a pas plu. Ah,
Tuer les deux capitaines. Mais je viens de les buter là. Ah putain non, c'est pas les bons. Merde. Et 2 sur 3. Donc l'autre il est là. Et de là-haut il y a Elfenor à buter aussi. Merde, j'ai pas buté les bons. Faut que je me fasse voir par Elfenor. Ok, donc il y a un capitaine là et l'autre il est là-bas. Non, il n'y a pas 100 ans d'écart. Hein. Faut pas croire que c'est aussi loin. Hein. En fait, c'est pas tout à fait à la suite, c'est 50 ans après. Il y a 50-60 ans de différence entre les deux. Hein. Ouais, pas de soucis, bonne soirée, ou peut-être à plus tard si tu reviens. Sinon, merci d'être venu quand même. Hein. Allez, Elfenor, on va le buter. J'aurai la tête, ça, pas un oiseau. Non. Alors, pourquoi ça ne m'étonne pas? Elfenor, ça lâche! Elpenor savait que je le chercherais. 1340 mètres. Un booster pour m'attirer dans un piège. Ton plan ouais, a pas échoué, de soucis, bah demain, non. Tu rejoindras bientôt cet imposteur. Et merde, il s'est retourné. Alors, c'est barré maintenant. On voit encore un trésor. Il est où? Ah, il est en bas, ok. Ok, ok. Le cochon. Yeah!
merde, mercenaire. Donc c'est pas un mercenaire bourrin parce que. Je vais me faire défoncer encore. Non, ça va. Ok. Il est à mon niveau. Un deuxième. Putain. On fait plus que ça, quoi. Hein ? Qui a pu faire ça ? Niveau 17, ça va être tendu, lui. Merde, je suis enfermé dans le coin. Oh. Bah là, ça, je pense que ça m'a été un petit clip là. Content de moi. Ok, du coup on va aller chercher le petit coffre. Donc on a buté tout le monde. On va se faire deux mercenaires trop forts. Donc l'autre il a 1000 bornes, il est où du coup? Putain, il est là quoi. Je suis monté exprès pour faire en haut et en bas quoi. Bon, on va nettoyer le haut. Hop, là il n'y a rien. Ça, je m'en cogne. On va finir de nettoyer la case du haut et puis ben. On va essayer de passer sur 5 quand même, pour foutre un peu plus le bordel. Quitter Focus, bah oui, c'est un. Oh. Sac de fiente. Mon gros jeu qui m'aide. Oui, je reste pas là, vous inquiétez pas.
Je suis juste là pour la déco. Et tuer le gars avec sa sacoche rouge. Voilà. Ouais, il est là-bas. Il y a un petit coffre. Un petit coffre ici. Et le plus important, c'est celui-là. Et lui, si on le bute, on est moins recherché. Et pouvoir le buter sans foutre le bordel. Parce que bien sûr, si on le bute et qu'on fout le bordel, ça sert à rien. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Dormir, lui là-bas il fait sa patrouille. Hop, plus tailleur. Oh la merde. Si j'essaie comme ça, je pense que ça fait. Hein, faut aller voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il va brûler? Non, il brûle pas. Merde. Moi j'ai essayé. Ah, il y a tout qui prend feu. Hein. Oh. Ah, s'il y a le feu, mec, il y a le feu. Cours, cours, cours. Viens, non, viens vers moi, vers là, tout ça, à l'abri. Viens. Par surprise. Voilà. On va récupérer deux petits coffres. On avance bien, toujours. Là on est bon. Du coup j'ai vu qu'il y avait une petite caserne au sud là, mais elle n'est pas indiquée. On va laisser la faire, après on fait le point d'interrogation et on ira par là. Là on ira au plus près pour aller se taper Elfénor là. Parce que Elfénor c'est un sacré gros enculé de fois. On se casse. Ok. Le petit point qui est là-haut. Et là, on pourrait aller là, on l'a fait. On n'a pas fait celui qui était là-haut, sinon on ira faire celui-là en passant. On avance tranquillement, toujours. Hein. Bon, maintenant, on connaît le délai pour Mirage, donc on a tout le temps qu'on veut pour faire le jeu. Plus besoin d'y aller à fond, juste limiter l'histoire.
Ah, il y a une petite mission chrono là. Comme ça, on peut faire la petite mission chrono. Kéré, tu as besoin de quelque chose ? Mystios, l'une de mes amies m'a prêté un splendide collier et il faut absolument que je le lui rende pour une fête. Mais je crains d'être attaquée par des voleurs sur le chemin. Donc tu veux que j'aille apporter ça ? Oui, elle doit recevoir ça. Et rapidement. Ok. Compte sur moi. Je te suis redevable. Puissent les dieux te guider. Ah, ce qui est chiant dans celui-là, c'est que... Là, on va faire la mission, là. Je crois pas de problème, hein. On dévie notre route, mais c'est pas grave. Mais on va falloir revenir ici après pour récupérer la récompense. C'est un peu chiant. Livraison pour toi, de la part du Netaïr. Oh, c'est ce qui me manquait. Voilà pour ta peine. Ah bah non, je vais pas me demander. Donc on va pouvoir aller se faire le petit point d'interrogation en même temps. Là, on se nous a rapprochés. Qui aurait imaginé que la guerre atteindrait un jour la Lalia ? Merci à StreamAid pour avoir partagé mon tweet. Merci beaucoup. Mon tweet qui parle de mon live, bien sûr. Et vous restez caché. Ouf. Si jamais tu approches, je vais devoir te tuer. C'est pas grave, allez. J'ai chaud. Putain, ces ennemis sont bien casse-couilles avec leur façon de boucher rapidement. Pour moi, ça change des autres qui restent en face de toi. Celui-là, et on a encore celui qui est en bas là à faire. Et là, il y a un petit mercenaire au niveau 47. Oh. Là, c'est même pas peine de tenter. Là, ensuite, on va voir. Il y a celui-là à faire. Comme on doit aller là, on va faire celui-là. Donc, celui qui est en haut, celui qui est là. Le mercenaire, c'est pas la peine, on va se faire défoncer. On va nettoyer les îles, le pain, et on bêtera, et après, on nettoiera la zone du bout. Voilà. On aura fait un beau morceau de la carte quand même. Hein, on a fait là déjà.
On a fait Kefalonia aussi. Allez, go. On va essayer de faire ça ce soir, ce serait bien. Histoire de pas perdre du temps. Eh, je t'ai eu, hein. T'as cru que j'allais choper l'autre, et puis non. Icaros veut être utile, on dirait. Et là, c'est des mecs, ça va être un peu plus simple. Bien, pourquoi ils se... Un peu d'officier. Merde. Rien encore. Mais en fait, tout ça, je m'en cogne, quoi. Des ours, voilà. Il y a un ours blanc. C'est bon, moi, tirer à l'arc là-dessus. Si on le voit ici, j'aurai des ennuis. Ils sont passés où, les gars? Ils sont tous barrés. C'est la nana qui les a fait barrer, les gars. Ok, les gars, merci. Sympa, même pas besoin de me battre. Ni d'assassiner quoi que ce soit. C'était cool. Franchement, c'était cool. Ok, on va essayer de faire le gang d'ours là. Qui ont dépouillé un pauvre humain pour lui voler ses coffres. Oh, il est en bas.
Putain, qu'elle est trop puissante. Ok, hop, un petit caillou. Donc là, on est où là? Parce que, pas que je me trompe. Ok, on va aller faire celle-là, on va se téléporter pour gagner du temps. Ouais, je suis dans une zone rouge, merde. Oh, bah y'a un autre coffre ici, je l'avais même pas vu. Ok. Les voitures sont déjà là. Ok. Un petit plongeon dans la cœur, histoire de sortir bon. Il y a un truc à faire en plus, je m'en rappelle plus que ça. Mais je sais qu'il y a un truc à faire. Ici, je crois qu'il y a un truc à faire en plus. Un chien. Ok. Capitaine, 5 gardes et 2 trésors. Là, j'en ai un et là 2. Ok. Hasard. Ok, il s'éloigne. Merde, il est juste à côté de moi. Je ne suis là que pour la récompense. On va voir si tu sais voler. Une récompense se mérite.
Mais ça, je me disais bien que t'étais pas là pour faire du rêve. Vous m'attaquez, vous là, les guignols. Je sais que c'est pas bien de tuer les mecs, mais quand même. Je viens de tuer un de vos officiers et un mercenaire. Mais vous faites quoi, non? Il y a quelqu'un qui prend une arme maintenant. Petit dernier, après on va faire le nettoyage de la carte. Voilà, allez. D'accord là-bas, voyez tous sur vos gardes. Voilà. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai vu l'ostrogon et le deuxième trésor. Ok, on est pas mal, on avance bien tranquillement, le déploiement de la carte se fait tout doucement. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut nettoyer la carte et avancer dans l'histoire tranquillement aussi. Oh putain, il y avait un trésor avec... J'ai déjà fait celui-là, non? Merde. Ça me ferait baisser, ouais, je m'en fous. Pour l'instant, ça va, ils sont... Ils restent à une puissance correcte. Les mercenaires, on va faire le petit point d'interrogation et après on ira tuer... Elfenor. Une grande forteresse, on n'a pas trop de temps. Une tanière de loup, ok, bon, ça va aller relativement vite ça. Faut juste pas se tromper sur un loup qui est un peu trop balèze au niveau 13. Il va en être 3, ça devrait aller plutôt bien. Si je me les fais à l'arc à distance, ça devrait être encore plus facile. C'est le truc super simple. On s'en met pas au combat, on perd pas trop de temps. Alors pour tous ceux qui veulent avancer sans vraiment se faire défoncer gratuit. Au début, on se fait vraiment défoncer à l'œil des fois. Au début, je me suis retrouvé à me taper deux mercenaires. Putain, il y en a un autre là. Putain, fait chier. Alors que je remonte après du coup tout ça, toute la vallée. Pas grave, on est go, on avait dit qu'on nettoyait la zone, on nettoie la zone.
Ouais, au début, je me suis retrouvé à faire une mission à assassiner un dirigeant et je me suis retrouvé à affronter aussi deux mercenaires en même temps. Hein. Je me suis fait défoncer. Ça arrive, hein. Comme on disait avant, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oh putain, il y a Dash. Ah, sérieux, enfin, je me tape toute la vallée après pour revenir, quoi. Putain, ils auraient dû le mettre encore plus loin, quoi. Il est juste à côté, quoi. Ah oui, là ça va mieux. Merde. J'ai pas zoomé à fond. Bon, bah tant pis, hein. On avait dit qu'on le ferait, on va le faire. Hein. De toute façon, il faut qu'on ait tué le Fénor avant la fin du live. Donc, on est encore dans les temps. Ouais. Ça va être une petite forteresse. Pas très bien gardée. Oh non. Ah, j'ai laissé un tibia. Faut récupérer de la barbac. Merde. Comment j'ai fait pour rater ça, moi? Battons-nous. Bah oui, vous êtes déjà en train de vous battre. Donc c'est tout bon pour moi. Il y en a au poison. Merde, allez! Ah, putain, cette attaque, qu'est-ce qu'elle est puissante. Et lui, il est là en train de se stopper notre soldat. Putain, au poison, hein. Casse-toi avec ton poison de merde. Et allez, un mercenaire. J'ai pas réussi à buter tout le monde et je me tape un mercenaire dans la foulée. Ah oui, le feu ça brûle, mec. Merde, moi aussi je brûle. Putain, mais le con. C'est qui lui là? J'aurais pas le temps de me fatiguer. Mon tour de carte qu'à trouver. C'est juste là. Ah, il y a une tablette. Merde, elle est où la tablette? Ah, elle est pas loin, elle est là. Hop, nickel. Ça va être super vite. Bon, du coup, allez hop, on va à ce petit point là. Putain, tout ce qu'on a fait, on a toute cette zone là, faire la mission et nettoyer toute cette zone là et tout qui redescend. Alors, tout ça ce soir. Et au canasson, allez hop. Pardon.
Ah, c'est l'autre qui se fait pousser ton poids par... C'est une mauvaise idée pour l'homme de venir à Tithios. Il a suscité la colère de Zeus et des autres dieux, après tout. Il y a un gars qui a mis de tellement en colère qu'il a accroché sur une montagne pour qu'il se fasse bouffer le foie tous les jours. On n'a pas vu exactement. Ça vient surtout dépouiller l'endroit. Oui, il y a quelqu'un, il est là, il est là. Voilà. Ok, ça c'est fait. Non, j'ai plus que 3. Ok, alors. Bon, d'accord, je fais le fanfaron, mais il a fallu me défoncer la gueule aussi. C'est bon, comme on dit, hein. L'histoire est réécrite par les vainqueurs, hein. Deux sources, un cerf, et c'est moi qu'on va attaquer. Ça veut dire, hein. Ok, comme ça, deux ours, les peaux d'ours, ça rapporte. Ok, il faut qu'on monte là-haut. Bon. C'est parti pour un peu d'escalade. Ok, bon ça. Ok, allez, go, continue. Allez, va,
Allez, ma grande, on y est presque. Dernier tour. Repos des chasseurs. Le repos des chasseurs qui se repose pas. Que c'est, eh? Quelqu'un qui t'a sifflé là, viens voir, eh? Que quelqu'un torde le cou à cet oiseau! Bah, viens! Viens me tourde le cou! Voilà. Oui. Eh bien. Comment? Okay. Tranquille, rentre. Qu'est-ce que... Ah. Qui a fait ça? Ah, il y a une petite souris dans le coin. La petite souris arrive. Oh. Attention. Bon, on avance tranquillement, hop, là, on n'y est pas souri, on a presque, on a bien avancé, hein, en à peine une demi-heure. Ça fait un petit peu haut pour sauter là quand même. Pareil, là aussi il y a un trésor ici aussi. La mort approche, Elpenor. C'est là qu'il faut tuer tout le monde, donc on va pas se prendre la tête, hein. C'était caché. Alors...
sacré serpent, non, quand même. Hein. Putain, j'ai cru que c'était moi qui étais mort. Ok. Ouais, pas mal. Du coup, c'est bien parce qu'avec cette mission-là, on va faire d'une pierre deux coups. Et ici, il me semblait qu'il y avait un... Il y avait un secret, ici. Et j'ai peut-être pas la pierre qui va avec, ou... De toute façon, on sera une soirée découverte de secrets, parce que... Arrête de parler de ma mère, toi. C'est une erreur de me tuer. L'erreur, c'est de t'avoir écouté, Akefalonia. C'est grâce à moi que tu as pu quitter cette île. Le culte voulait te tuer. Quel culte? Où sont ces gens? Qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Alpenor. Il pourrait m'être utile. Ok, bon ben voilà, mission accomplie donc pour la soirée. Le but était d'exploser Alpenor, donc on va aller se faire le petit... Putain, enfin, regarde ce qu'il y a derrière mon temps, c'est juste à côté. On va aller se faire le petit point de synchro. Je dois rester caché. Le petit point de synchro, il est où? 108 mètres au-dessus de notre tête, c'est là ça. Donc on va se coller. Allez! Oh, je déteste quand ça fait ça. Ah, c'est les petits bugs de... C'est le petit bug Assassin de Creed, hein, celui-là, c'est ça.
On va aller se faire ce petit château là. Tant qu'on est juste à côté. Point de synchro. Le niveau de prime. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Je pense qu'on sera pas mal pour notre petite soirée. Là, on aura bien avancé. Du coup, on va par là. On est pas mal. On alterne un peu quête principale, quête secondaire. Je crois qu'on va passer un bon moment là. Il y a pas mal de soldats à battre. C'est quand l'officier qui est juste là, tranquillement, bah j'ai déjà tué le poème Marc, c'est cool. Je vais devoir faire très attention par ici. Capitaine, 3 ravitaillements et 1 de ce trop fort, oui. Et les coffres, ils les comprennent. Oui, de ce trop fort d'ailleurs. Ce de ce trop fort, il est où? C'est moi ou je ne le vois pas? 1, 2. 1, 2, 3, ok, mais de ce trop fort, il est où? Merde alors. On va avancer, c'est peut-être parce qu'on est trop loin. Voilà. Non. Voilà, ok, on va être trop loin. On va pouvoir avancer, du coup là-bas. Pour attaquer le coffre qui est là-bas. Ensuite, les deux qui sont là avec le capitaine, là. Récupérer le coffre qui est là-bas, et ensuite faire la cour. Ce serait pas mal. Tranquillement, on a fait une petite demi-heure pour tout faire. Pépère. Lui, il va venir là. Sérieux? Il va venir jusqu'à moi. Ça, c'est cool. J'adore. Grave, on s'en cogne. C'est bien que j'ai raté. Ok, allez, c'est parti. Non, qui t'a dit monter? Allez, c'est parti pour faire tout le tour de la ronde du rempart. Thank you.
caisse. Ça devrait gêner les efforts de conquête d'Athènes. Il n'avait pas paru, hasard. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Allez, go. On est reparti. Personne n'a rien vu. Ça c'est quand même magnifique hein. Allez, lâche-moi toi. Putain, le coup de pas de chance quoi. Il a fallu que j'arrive dessus pour que bah, elle aussi arrive. En plus, il est vachement sombre. On va prendre l'air un petit peu quand même. Voir où on en est. Pas trop con, il est pas sur la statue, il est à côté. Et j'ai encore donc deux là-bas et deux coffres. Ok. Et un capitaine qui a. Il y a pas mal avec tout le bordel que j'ai mis quand même. Ça ne s'est interrogé du bruit. Hein. Allez. Mmh.
pas. D'accord, ils sont là en dessous de l'autre côté. Ok, il est pas mal, un là et le coffre en plein milieu. Je vais tirer dessus, pourtant ça a pas marché. Ok, ok. On est pas mal. Par contre, ça va être tendu d'attaquer les deux en même temps. Au moins ta mort va déraper. Ça serait pas mal du tout. Ok. Pas mal, il n'y a plus qu'à choper l'officier qui reste. Qui est là-bas, il n'y a pas de chance de faire un assassinat aérien. Assassinat en sprint. On est pas mal. J'ai vu tes adversaires d'élite. Bah écoute, tu sais quoi, tes adversaires d'élite, il y a la petite mission qui est là. Oh. On va se faire la petite mission qui est là. Ensuite, on descend là, là. Et je pense qu'on aura fini la soirée. Que j'aime fracasser les jambes encore à l'atterrissage. Bon, le jeu avance très bien. On avance tous bien. Ah, je suis trop tard. Hop là.
Est-ce que je peux être utile? Des dirigeants corrompus et leurs alliés qui tuent leurs ennemis la nuit exécutent des rites obscurs. Non, pas question, ça ne m'intéresse pas. Comment ça, ça ne t'intéresse pas? On dirait le genre de prime sur laquelle on bâtit une carrière. Non. Tu veux ce contrat? Pas de souci. Moi, je n'ai pas envie d'aller tuer des disciples d'Arès et un dirigeant. Je prendrai le contrat suivant. Alors tu veux que je tue ce dirigeant? C'est exactement ça. Tu acceptes? D'accord, ce sera fait. Je te dois beaucoup. Laisse-moi m'en charger. Ok. Tu es un dirigeant athénien. Et je suis sûr que c'est ce qu'on était en train de chercher. Non, c'est un autre, ok. Il est déjà en contrebas. Donc on va descendre tranquillement. Je vois plus rien. Alors ça c'est. Ils ont un peu abusé avec la nuit quand même. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. Je viens de me prendre 3 mercenaires dans la bouche. Là, il y en a 70 mètres en plus. Quel niveau est là? C'est un niveau 18. Il a un putain d'animal avec lui. Oh, les deux sont là. Ah bah alors la merde. Puis la troisième, allez. Moi.
non. Puisque je peux pas, on m'en taper un autre. Là, je vais m'en faire 4. 4 en temps en temps, alors que le but c'était pas du tout ça. Alors, j'ai pas dit 20 minutes. 20 minutes à se taper du mercenaire. Te revoilà. Tu l'as tué? L'homme est mort. Une paye bien méritée, mercenaire. Prends ça en remerciement. Cette vie ne te mènera pas loin. Mais une autre t'attend à bord de mon navire. Rejoins-nous. On cherche quelqu'un comme toi. Et concurrencer quelqu'un d'aussi compétent que toi? Je ne crois pas, non? Dommage. La vie en mer t'aurait sûrement plu. Oh, pas refusé. Ok. On manque un petit peu de temps. 2500 points d'XP. Allez. Un point supplémentaire. Ça, ça monte. On monte tout doucement. Mine de rien, on n'est pas super bien équipé. On va aller regarder ça quand même. Moi, ce sont des équipements un peu supérieurs. Là, on a une 15. Hop, RT comparé 319, mais c'est une épée, c'est beaucoup moins puissant que la lampe. Ça, niveau puissance pure, faut pas se leurrer. On pourrait prendre une masse, bien sûr. 319, le griffon, là, c'est voilà, 319, 426 quand même. Alors, on est niveau 18, donc on va pas l'utiliser. Ouais, donc tu aurais l'épée, mais l'épée faut plus de coups pour tuer quelqu'un. Voilà. Donc, l'arc, on a plus puissant, mais bon, ouais. Ouais, quand même, beaucoup plus puissant. Allez. En plus, on n'a pas encore tout à fait les... Là, on a un casque. Allez. Ok. Alors, on n'a pas de casque au niveau 17. C'est dommage parce que moi j'aime bien celle-là. Brassard, on a que du niveau 14, 63. Ouais, c'est pas grand chose. En armure, on a récupéré pas mal d'armure sympa, mais ça vaut pas le coup encore. Hein. Ça vaut encore pas le coup. Là aussi, on a récupéré du 15. On va passer en 15, on est pas mal. Et là on a du 15 aussi. Alors bon, on prend le 15. Ok,
bon, aptitude, on a des petits points d'aptitude à dépenser. On a dit qu'on se ferait les lignes, donc on a 3 points. Allez hop, acquérir. Acquérir. Et acquérir. Ah, celui-là. Ok, voilà. Vous avez plus suite des dégâts de feu. Ok, on a dit qu'on descendrait ici, se faire du coup le petit point de synchro. Essayer de faire vite en espérant qu'on n'ait pas d'autres casernes ou trucs dans le même genre à faire. À ce qu'on me remarque. Ouais, bah je pense que bah, on m'a remarqué. Je me rappelle plus s'il y a des armures en plus dans ce normalement. Il y a des armures aussi et des tenues spéciales. Là, il y a un petit quelque chose. Bon, il y avait un petit machin là, mais on s'en fout en fait. Voilà, on va aller faire baisser notre autorité parce que 3 mercenaires, c'est quand même hard de se taper 3 mercenaires. Ok, on va sur ce dernier petit point là. Oui, ton pote est mort, tout ça. Depuis quand il est là, ce corps ? C'est pas Mestios qui est là. Aucun. Bah oui, hein, t'as pas vu, mais t'as aucun doute. Oh!
Ok, pas mal, on a réussi à faire baisser pas mal en plus. On a bien fait descendre notre, notre niveau de recherche. Hop. C'était le but recherché à la base. Mon pognon est en feu, zut alors. Bah, direct tu viens là. Voilà, hop, ça c'est fait. Et on est pas mal pour terminer la soirée en beauté. On a fait baisser notre niveau de recherche avec un seul gars. Hop, il y a plein de pièces qui traînent partout. Où c'est qu'on pourrait se rendre maintenant? Ben on va du coup rester ici. Il nous reste quelques minutes. Où c'est quoi? On va aller. On va aller sur zone rouge. On va aller à la forge. Essayer d'améliorer quelques petits trucs. On est où là d'ailleurs? On est là. Mon bateau il doit pas être loin. Voilà, il est là. Non, en fait, on va rester là. Et puis, on va aller faire notre petit raid journalier, hein, comme d'habitude. Je trouve c'est bien comme ça. Voilà. Hop. Devant ce magnifique. Il est... Où c'est vous le soleil d'ailleurs? On dirait qu'il se lève par là. Hop, hein, allez. On va aller faire notre petit raid journalier. Hop. Qui c'est qu'on va aller voir du coup? On est encore et toujours à la recherche. Un streamer à soutenir. Ok, du coup, donc tout ça on s'en fout. Alors, on va essayer de trouver si y a une petite demoiselle à soutenir. Pas grand monde. Après, c'est vrai qu'on est dimanche. Hein. On est dimanche, je sais pas. Pas beaucoup de monde. Léona, est-ce qu'on a fait à Léona? Oui, on a fait à Wandale. Wandale aussi. Allez, on va aller faire celui-là. Allez, hop. On va aller faire Senso Noraida, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Lui, il doit savoir. Voilà, on va faire notre petit raid et on va couper le stream. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, ce sera 20h, 22h. On continuera notre exploitation de la Grèce antique et la chasse aux tarés. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.